Bonjour et bienvenue dans Backstage, votre magazine musical. Au sommaire de ce nouveau numéro, découverte du groupe Ultra Bonnet, visite du studio d'enregistrement Vocation Records, mon automatique en concert improvisé. Et ne ratez pas en fin d'émission un long entretien avec Christophe Newsec. À présent, direction Lannion et plus précisément Plouigat Guérant pour une rencontre avec Trio Rock Ultra Bonnet après un mini-album paru en 2009. Le groupe revient cette année avec son premier album intitulé You Can't Be Serious. Procédure de lancement engagée, missile rock chargé. Vous avez une idée assez géniale, c'est de sortir votre CD accompagné avec un vinyle. C'est un très bel objet. Le côté esthétique était important pour vous, en oui. plus de la qualité audio, sonore. Alors oui, d'abord, nous on a plutôt tendance à dire qu'on sort un CD avec le vinyle. Et en fait, effectivement, on est parti du postulat de vouloir faire un bel objet, déjà un bel objet au niveau sonore, parce que la qualité du vinyle, c'est quand même quelque chose qui n'a pas été égalé. Et loin de là, par le CD, malgré les promesses. Et bon, comme on n'est pas absolument réfractaire au fait que les gens puissent l'écouter, donc on a mis un CD dedans, et c'est plus un complément qu'autre chose. Donc on a des grosses influences typées 60-70 qui descendent bon, des groupes un peu mythiques du style les Stooges, MC5, Radio Bellman, mais on a quand même des influences beaucoup plus larges. C'est-à-dire qu'on va piocher dans le répertoire les groupes australiens, les groupes scandinaves beaucoup, les groupes garage scandinaves ou américains et les groupes anglais. Donc voilà, et on essaye de faire notre petite sauce avec tout ça. On s'est fixé un objectif de 3 albums en 3 ans. Donc effectivement, le deuxième album sortira en 2011. Et il est fort probable qu'on l'enregistre à Londres. Et effectivement, on changera un petit peu la façon de faire de cet album. Mais je pense qu'il sera toujours dans la même veine au niveau des compositions. Mais les compositions ont évolué, c'est vrai, avec l'arrivée de Tom Gunn. Comment dire, il y a une filiation, mais il y a aussi une évolution, et c'est pas pour nous déplaire non plus.